Aujourd'hui, on installe la deuxième colonie que j'ai reçue dans mon colis Esthéticante. C'est la Proformica nasuta, une très très jolie espèce avec des majors qui font un peu des pots de miel. Ils stockent de la nourriture dans leurs fesses, c'est ce qu'on appelle leur gastre. Alors regarde ça, on a pas mal de fourmis sur le coton qui sont en train d'essayer de creuser. C'est parce qu'elles ont envie de sortir, elles doivent manquer de nourriture, donc on va se dépêcher. Donc je fais comme avec mes Myrmicaria, on va leur mettre une minière de chasse. J'enlève le coton d'entrée et vu qu'il y a plein de fourmis dessus, je le mets dans une boîte à part avec de l'anti-évasion pour pouvoir récupérer les fourmis un peu plus. Et en fait, après avoir connecté le tube, je me suis rendu compte de mon erreur. La zone d'exploration est beaucoup trop petite et du coup, on va avoir du mal à gérer la colonie là-dedans et à les nourrir sans avoir d'évasion. Donc, ce que je fais provisoirement, je leur mets une deuxième zone d'exploration pour pouvoir remettre les fourmis qui étaient sur le coton. Et un peu plus tard, on va réagrandir leur fourmilière, mais on fera ça une fois qu'elles seront bien installées, qu'elles auront eu le temps de se remettre de leur voyage. Alors, comme les Myrmicaria, je les ai elles aussi nourries, je leur ai donné la même chose, des liquides sucrés et un bout d'insecte. Et elles ont énormément mangé, elles sont très voraces, je pense que c'est une espèce